Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à l'illustration d'Inkscape. Nous allons voir comment réaliser donc ce type de personnage. Donc largement inspiré d'une démonstration faite par Arthur Depin sur le dessin vectoriel mais avec Illustrator. Donc moi je vais essayer de faire la même chose avec donc Inkscape. Donc je vous mettrai l'adresse où vous pourrez suivre donc cette démonstration pour faire ce petit personnage à la 12e minute. Donc dans la vidéo. Donc j'ouvre tout de suite un nouveau document. Je vais mettre ça en plein écran. Donc j'utilise une tablette graphique Bambou de marque Wacom. Elle n'est pas super bien paramétrée, mais ça suffit pour ce que je vais faire. Donc des notions sont importantes à connaître. Donc la barre d'espace pour bouger notre feuille. La touche F6 pour pouvoir utiliser le crayon. La touche F2 donc pour modifier les nœuds. Vous voyez, hop. Pour pouvoir modifier les nœuds, jouer ici avec les courbes. Pour rajouter un nœud, il faut connaître le raccourci CTRL-ALT. Voilà, on peut rajouter les nœuds où on veut. Et c'est à peu près tout. On verra ici dans la palette remplissage et contours comment appliquer une couleur. Voilà, c'est parti. Donc j'appuie sur F6 pour avoir le crayon. Le lissage est à 45. Je vais donc réaliser un ovale. Je vais tout de suite joindre ici les deux nœuds en cliquant sur ce petit bouton là et je rends ce nœud doux en appuyant sur CTRL et sur le nœud. Vous voyez tout de suite les deux poignées viennent bien s'aligner l'une par rapport à l'autre. Voilà, hop. Voilà. Alors CTRL Z. Donc j'essaie d'avoir un ovale pas trop mal dès le départ. Je vais maintenant réaliser donc les lèvres. Donc la touche F6. Première lèvre, je relâche, hop, comme ceci. Je ferme la lèvre supérieure. Je joue un petit peu avec les nœuds. Je rends ces deux nœuds ici doux. Voilà, je vais faire la lèvre du bas. Tac. Je joins ces deux nœuds ici. Je rends le nœud du bas doux. Voilà, c'est bon. Je sélectionne les deux nœuds. Donc avec F1, la touche ici, la touche noire, je sélectionne les deux nœuds en appuyant sur Shift. Et je réduis tout ça. Voilà. Alors j'ai désactivé ici cette option qui me permet, lorsque j'agrandis ou je réduis, vous voyez, le contour ici reste à 1, le contour de mon tracé. Alors je vais maintenant réaliser les yeux, donc toujours F6, un ovale, F2, je rends ce nœud ici doux, je supprime ce nœud en appuyant sur supprimer, par contre les deux nœuds ici deviennent durs, donc je les rends doux, clac, en cliquant dessus en appuyant sur CTRL, je vais rajouter un nœud ici. Voilà. Je réduis un petit peu tout ça. Alors je vais dupliquer cet objet, CTRL D, de façon à obtenir ici l'œil. Je duplique, je réduis, voilà ce qui me permet d'obtenir la pupille que je vais mettre en noir. Ici je vais tout de suite mettre en vert. Je vais faire apparaître la palette remplissage et contour. Je vais mettre un fond, je vais mettre un fond vert. Voilà, comme ceci. L'œil, je vais mettre un fond blanc. Et la couleur de la peau. Voilà, comme ceci, ce sera pas trop mal. Et les lèvres, bien sûr, je vais les mettre en rouge. Rouge foncé. Voilà, comme ceci, c'est bon. Cette partie-là, je vais pouvoir la monter, je pense. Oui, c'est bon. Mettre un petit peu plus rouge. Voilà. Je zoome. Et ici en bas, je vais mettre un petit éclat lumineux blanc. Comme ceci.
plutôt rouge clair. Voilà, je vais sélectionner maintenant tous mes tracés et je vais supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, je clique sur la croix. Comme ceci, je vais rajouter la paupière en appuyant sur F6. Donc je fais une forme comme ceci et je joins ici les deux tracés. Alors j'appuie sur F2, je joins ici les deux nœuds qui n'ont pas été voilà, reliés. Je vais supprimer ici le nœud en appuyant sur supprimer. Comme ceci. J'appuie sur F7 et je mets la couleur donc de fond et je supprime le contour en appuyant sur Shift et en cliquant sur la croix. Alors je vais mettre un dégradé, non pas sur le contour mais sur le fond, un dégradé alors qui sera du violet foncé à la couleur de la peau. Je déplace mon dégradé comme ceci. Voilà, je vais maintenant réaliser alors F6 pour avoir le crayon. Je vais faire les cils. Alors je recommence. Je fais un tracé, je lâche. Je reprends ici en me positionnant au-dessus du petit carré et je fais un premier pic, tac. Et un deuxième, un troisième. Voilà, je ferme. Avec l'outil F2, je vais travailler un petit peu tout ça. Donc je supprime ici le nœud, ici là. Je joins ici les deux nœuds. Je vais supprimer ce nœud là, comme ça, de façon à simplifier. Je vais rapprocher tout ça. Hop. Je zoome. Allez, c'est bon, je vais mettre du noir, je supprime le contour. Là, je vais rendre ici ce nœud doux. Voilà, comme ceci, allez, c'est pas trop mal. J'ai oublié le petit éclat lumineux dans l'œil, donc je duplique cet objet, je le passe en blanc. Comme ceci. Je fais un carré de sélection pour grouper l'œil. Voilà, il est bien sous la paupière, c'est bien. Je vais dupliquer donc ces objets en cliquant là-dessus ou en faisant CTRL D. Je les déplace à l'horizontale en appuyant sur CTRL. J'appuie sur H. Elle louche. Je vais réduire un petit peu ici l'ensemble des objets. Donc je réduis dans le sens horizontal et vertical. Je sélectionne ici l'œil et je lui fais faire une rotation, non, un retournement horizontal. Voilà, comme ceci. Je vais agrandir un petit peu la tête. Hop. Je vais faire maintenant les sourcils. Donc F6. Hop. Je duplique ce tracé. J'utilise l'outil éditer les nœuds, je déplace, je sélectionne ces deux objets. Ici, je vais créer un segment et là, je vais joindre les nœuds. Je mets un fond noir et je supprime le contour. Je zoome, je vais jouer un petit peu sur les poignets, voilà, comme ceci. Je duplique cet objet, H. Je clique une deuxième fois sur l'objet pour avoir les flèches de rotation. Voilà. Je vais réduire un petit peu comme ceci. Je vais maintenant réaliser les cheveux. Comme ceci. Je vais joindre les nœuds. Je vais mettre une couleur orange, hop, sans contour bien sûr. Je vais réaliser l'autre partie ici. Tac.
Non, je vais supprimer ces deux nœuds là, voilà. F7 pour avoir la pipette et récupérer la couleur à côté. Ouais, c'est pas mal. On va maintenant réaliser la partie arrière. Donc en fait, les cheveux sont composés de trois parties. Une, deux, et la partie qui sera à l'arrière que je fais maintenant. Voilà. Je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas. Je récupère, voilà, comme ça, je récupère la couleur. Je place cet objet à l'arrière-plan et je supprime bien sûr le contour. Voilà, on va dire que c'est bon. J'en pense à enregistrer mon travail alors sur mon bureau. Alors, je vais appeler ça Illus. De pain. Copie. Voilà, je vais maintenant réaliser le corps. Alors moi j'aime bien d'abord faire le cou. Donc le cou c'est vraiment très simple. Voilà, c'est ça. Après je vais réaliser le corps, F6. Donc les épaules. Alors je recommence, je vais faire l'épaule. Alors la poitrine. Après je fais le bas. Hop. Je reprends. Tac. Et je refais la dernière épaule comme ceci. Je retravaille un petit peu les nœuds. Voilà, c'est pas mal. Je vais réduire un petit peu l'ensemble. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je réduis l'ensemble de mon illustration. Voilà. Comme ceci. J'applique la couleur du corps. Je supprime le contour. Non, je vais garder le contour pour qu'on puisse bien voir d'abord. Je vais maintenant faire les jambes, F6. Bon, c'est pas grave, je peux avoir plusieurs tracés. Après, il me suffit juste de lier ou de joindre les nœuds qui doivent être joints ensemble. Voilà. Pas trop mal. Là, ça va pas trop. Hop, je vais monter un petit peu ça. Je sélectionne avec la touche Shift et la touche F et l'outil d'idée les nœuds, les différentes parties à joindre. Voilà, ça je supprime. Je rajoute ici un nœud. Ouais. C'est pas trop mal. Moi j'aime bien utiliser l'outil aimanté et aimanter ici cette partie là. Donc j'active ici les différentes options, je sélectionne et automatiquement c'est attiré. Hop, je passe en mode tracé, je désactive le magnétisme. Alors là il y a un petit raccourci, c'est shift pourcentage. Voilà, le magnétisme est déjà désactivé. Hop, et je mets la poignée comme il faut, à peu près comme ça, de façon à ce qu'ici ce soit bien dans le prolongement. Pareil pour ça. Alors là je vais activer le magnétisme, tac, je désactive et j'ajuste. Là je rends les nœuds doux, j'active le magnétisme, voilà. C'est pas trop mal. CTRL S, je zoome.
Je repasse en mode contour, mode normal ici, affichage, mode d'affichage normal. Je vais réaliser les bras. Alors j'appuie sur F6. Donc je refais une épaule, le bras ici, l'avant-bras comme ceci. Tac. Voilà. Hop, CTRL Z. Je sélectionne les différentes parties. Je fais mon petit rectangle de sélection et je clique ici sur cet outil pour les joindre. Tac, comme ceci. Alors je rends les nœuds doux quand il faut les rendre doux. Voilà. Je réduis un petit peu la taille de ses bras. Je vais réaliser maintenant la main. Alors je ne vais pas trop m'embêter, je vais aller vite. Ceci. Voilà. Mon petit carré de sélection, j'appuie. Alors ça n'a pas marché, c'est pas grave, je zoome. J'ai trop zoomé. Je zoome, je sélectionne les éléments que je souhaite joindre. Hop. J'en ai oublié un, hein, tant pis. Voilà. J'utilise le magnétisme de façon à coller les éléments. Je n'oublie pas de mettre la couleur. Hop. F7. Donc ces parties-là, je vais les mettre derrière. Ouais, c'est peut-être mieux. Je fais une sélection, ouais, ici, et avec l'outil flèche, je remonte un peu le bassin. Je n'oublie pas avant de désactiver le magnétisme. Ah, décidément. Voilà. Allez, je fais le dernier bras, donc une épaule comme ceci. Hop. Voilà, je joins les différentes parties, je vais coller les épaules comme il se doit ici. Voilà, je désactive le magnétisme, pareil ici pour cette épaule, j'active le magnétisme, tac. Je l'enlève. Bon, allez. Donc ce bras, je lui mets la couleur, je le passe derrière, bien sûr. Voilà, je vais faire la main. Tac. Je mets la couleur, je zoome. Oui, cette partie-là, je vais l'enlever en fait. Tac. Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bon. Allez, je zoome. Voilà. Oula, je désactive le magnétisme. Je vais maintenant supprimer bien sûr les contours. Hop. Et je vais réaliser donc la petite jupe. Donc pour cela, je dois sélectionner le corps et les deux jambes, que je duplique et que je joins en faisant CTRL plus, ce qui correspond ici à chemin union, CTRL plus. Je vais mettre ça en noir. Tac. J'appuie sur F6 et je vais maintenant utiliser un objet. Alors je vais mettre en rouge, F6, je vais mettre le contour en rouge. Voilà, donc ça, ce sera ma jupe.
cet élément-là va m'aider à couper la partie qui est en noir. Je sélectionne les deux et je fais CTRL étoile. Je supprime ici ces nœuds-là. Et voilà, ma petite jupe est faite. C'est pas trop mal. J'aurais dû mettre une couleur un peu plus foncée pour la couleur de peau. Ce que je vais faire tout de suite. Ouais. Allez, on voit un peu mieux. J'oublie pas, bien sûr, dans mon dégradé, de mettre la bonne couleur de peau également. Je sélectionne les deux mains avec Shift, je les mets au premier plan, je leur mets la bonne couleur bien sûr. Donc là je vois quelques petites erreurs. Voilà. Tac, un petit coup de magnétisme pour être sûr que les tracés sont bien alignés. Voilà. J'ai oublié de faire ici une petite découpe. Tac. Contrôle moins. Voilà. Je fais un autre petit objet. Je duplique la jambe. Et je fais contrôle étoile. Donc là, j'ai fait le petit chausson. Pareil ici. Je réalise un objet qui va découper donc la jambe. Je mets bien sûr une couleur noire et je supprime le contour. Et voici la petite illustration. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça permet de montrer que avec Inkscape, on peut quand même arriver à faire des petits personnages assez sympathiques. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.